Et salut, c'est Seb, on se retrouve donc sur ACC, serveur LFM. Donc c'est la nouvelle semaine qui démarre sur Silverstone en GT3. Donc j'ai choisi la Ferrari. Alors je montre rien, ça s'est pas trop bien passé sur mes premières tentatives de retour sur LFM. Donc là je suis 6ème, j'ai réussi ce 6ème temps en dernière tentative. Par contre, j'ai du mal avec ACC, j'ai l'impression que les gens sont encore plus énervés que sur d'autres simus. Donc là, croisons les doigts tout ce qu'on peut. Green light, green light. Go, go, go. Merci grand. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Alors j'ai loupé mon départ, certes, ça c'est une chose. Mais sérieux quoi. Allez, on va essayer de se remettre dedans. Alors s'il vous plaît, dans les commentaires, ne venez pas me dire. Ouais, t'es au speed 4, c'est dégueulasse, faut monter en niveau, bref. On va pas revenir sur ces terre là. On va essayer de se concentrer sur cette course. Alors, il y a beaucoup de Ferrari, hein. J'ai essayé avec la Lambeau, c'est pas la peine, elle se traîne, en tout cas c'est pas mon style de conduite. Et la Porsche, pareil, est trop agressive à mon sens. J'ai l'impression de redécouvrir le sim racing, tellement je n'ai plus du tout aucun repère. Mais vous êtes pas possible les gars, vous êtes pas possible. Vous êtes pas possible. Comment je redémarre moi? Mais je vais jouer offline, je pense, contre les IA. Regardez-moi ça. Bien évidemment, on ira voir en fin de course si j'étais fautif, parce que c'est tout pareil. On n'a pas toujours l'impression que c'est notre faute au moment où ça arrive. Alors je fais même plus attention au halo et à tout ça, hein, parce que...
Ouais, elle est remontée mi-grille, 15e. C'est pas bien grave. Enfin, si c'est grave, on va essayer de se concentrer pour éviter que c'est un maximum de conséquences sur mon pilotage. Après, comment veux-tu monter en hélo pour s'améliorer si il y a des crétins comme ça? Bref, allez, passons à autre chose et on va se concentrer. P13. Car on the right. Clear on the right. Ah, c'est chaud de suivre ici. N'attaque pas ici. Alors je me méfie parce que j'ai l'impression d'avoir une dégradation assez importante des pneus sur ce jeu, donc ils ont du mal à. En température. Il m'a fait peur lui à droite là. En top 10 c'est pas si loin que ça. On est P13. C'est beau, mais bon, j'ai dû élargir, lui en a profité. Belle manœuvre de sa part, essayer d'attaquer le solide devant. Derrière aussi, il y en a un. Oh, il s'est fait démonter. Il a pas vu la courbe, il a pas vu le latrage. Ça, c'est le risque quand on prend quelqu'un de trop près. Bon, lui, avec l'aspi, ça devrait le faire. Au freinage, mais bon, la Porsche elle a de la motricité aussi. Hein. Au freinage. Il y a du monde derrière, hein. Faut pas se planter. P12 provisoire. Hein.
Donc, si je dois avoir un petit peu de dégâts, forcément. Du mal avec ce virage là. Vous avez vu? J'ai failli la perdre, je sais pas si mes pneus commencent à s'user, je suis en TCA 3. Devant moi, il est pas si loin que ça. Ouais, 13 minutes. Donc 2 secondes de devant. Ah, le P10 il a plus de 4 secondes. Hein. Allez, on est bienvenu. En tout cas sur le P11. Il va falloir essayer de choper la spi. Une seconde 5, approche bien. J'ai mon rythme cardiaque en bas à gauche, je sais pas ceux qui se posaient la question, normalement il s'affiche, il s'actualise. Normalement. Yellow flag, exacte 2.
Une seconde 5, j'arrive pas à revenir. Pour être performant et gagner du temps, j'ai l'impression qu'il faut placer la voiture avec un petit coup de frein juste avant de rentrer en courbe. Je sais pas. Allez, moins de 10 minutes. Et toujours une seconde 5. Pas moyen de revenir. Derrière, c'est pareil, ça s'éloigne. Pour l'instant, les pneus ont l'air de tenir. Quasiment à 26 en pression. Je pense qu'il faut être plus. Au passage, là, ici. J'ai gagné 5 dixièmes. Je vais rentrer dans la zone d'aspi. Juste pas faire d'erreur. Commencer à lui mettre la pression gentiment qu'il n'a pas encore eu pour l'instant. Ça, c'est ce que j'aimerais, on va voir. Ça montait en pression. Rien, ça c'est sûr que c'est le... Vous voyez, je penche ma tête exprès, c'est le risque. Il n'y a pas à l'aise, j'ai l'impression. Enfin, il, je sais pas, Christy, j'en sais rien. Et là, ça peut être une opportunité. On va se montrer, on va pas y aller. C'est vrai qu'être derrière comme ça, j'aime pas. En plus avec son aileron, on voit rien.
pas réglementaire ça monsieur. Tout s'est mieux enroulé ici. Il reste moins de 5 minutes. Il a pris un peu d'air là. Il y a du monde devant, hein. Il y a moyen, un top 10, il n'est pas si loin que ça. Hein. Mais oui. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu tout de suite. Il s'est loupé, a réaccès à l'IM, tapé, voilà. J'ai pas de chance ou quoi, c'est pas possible ça. Deux minutes. Dernier tour, ah, il en reste deux je crois. Est-ce que je vais avoir une opportunité? P11 parce qu'il y en a un qui s'est tué. Thank you.
Non, ça va être terminé. Alors je sais qu'il est en difficulté là-bas au bout. Dernière chance. J'ai tenté d'enlever un peu de TC, mais non. Trop chaud. Mais oui. Mais oui. Il a craqué au dernier virage, ah il doit s'en vouloir. Bon c'est dommage, hein. Cette course de merde, je suis prêt à terminer, je termine combien? J'en sais rien, faut que je regarde mais... Dommage, hein. Ce début de course là, on va aller voir de toute façon ce qui s'est passé. Mais ouais, clairement, il y a moyen de faire mieux, j'avais un bon rythme, j'ai pas fait d'erreur je pense. Sauf si c'est moi qui suis responsable des accidents. On va aller voir ça tout de suite. Bah oui, t'arrives de trop loin, grand. Bah oui. Donc là, dites-moi, je pense pas que ce soit de ma faute. Ah lui, il redémarre, ouais, bah rien. Ouais. Ok, il essaye de redémarrer. D'accord, ok. Bref. Bon, bah il n'y a eu qu'un seul accident. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires, si ça vous intéresse toujours, hein, des rediffs, entre guillemets, de course. Et nous, on se dit à une prochaine. Tchuss.